Salut mon petit pote, si toi aussi tu la trouves dégueulasse la sauce bolognaise qu'ils vendent en supermarché, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une vraie sauce bolognaise. Donc reste branché, c'est Mag et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Alors pour nos super spaghettis, il va nous falloir de la viande hachée. Donc là j'ai pris des steaks, il n'y avait plus de viande hachée en magasin, du sel, du poivre, des spaghettis évidemment, du sucre, du vin rouge. Donc là, j'ai un cube de bouillon de poulet que j'avais fait, que j'ai congelé, mais vous pouvez prendre du bouillon de magie, un cube de bouillon or là, de l'ail, de l'huile d'olive. Donc là, j'ai de la pulpe de tomate. Donc vous pouvez prendre des tomates entières aussi, hein. Là, c'est la même chose, seulement c'est de la pulpe de tomate, des tomates coupées en petits morceaux. Donc la moutille, elle est vraiment pas mal, mais vous pouvez prendre des tomates entières. Du concentré de tomate, un oignon, du parmesan et du basilic. So, let's go! Alors, dans une casserole, j'ai mis de l'eau et mon cube de bouillon. Je rajoute une petite pincée de sel et j'attends que ça boue. Alors, dans ma casserole, je vais mettre un petit peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Une fois que mon eau boue, je peux y plonger mes spaghettis. Et on va les faire al dente. Donc là, ils nous disent 10 minutes pour qu'elles soient al dente pour celle-ci. Dans ma poêle chaude, je vais pouvoir mettre mon oignon. Donc là, j'ai mis un demi-oignon, ça suffisait, et deux gousses d'ail. Et je vais laisser suer mes oignons. Je rajoute un petit peu de poivre. Une fois que mes oignons et mon ail ont bien sué, je vais pouvoir mettre un peu de vin rouge. Et je vais laisser réduire. Hop, je vais venir rajouter tout de suite mon sucre. Ça va permettre de, comment dire, d'atténuer un peu l'acidité du vin rouge et de la tomate qui viendra après. Et je laisse réduire. Une fois que ça a bien réduit, voilà, je vais venir rajouter ma sauce tomate. Alors mes tomates coupées en morceaux. Moi quand j'ai pas de sauce tomate comme ça là, je prends des tomates entières, je les coupe en morceaux et je les mets là-dedans. Donc je mélange, je vais rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Et on va laisser cuire un petit peu tout ça avant de mettre la viande. Ouloulou, ça crépite, ça frétille. Donc là, je peux rajouter la viande. Hop. Et puis je vais venir écraser ça dans ma sauce. Voilà. Je vais écraser ça, voilà, dans ma sauce. L'important, voilà, c'est que ça fasse, après, que ça soit mélangé bien homogène dans la sauce, qu'il n'y ait pas de gros morceaux de steak, quoi. Voilà, j'étale bien avec ma fourchette, comme ça j'écrase bien ma viande. Comme ça
que ça va venir bien se mélanger avec ma sauce. Ok, donc là, la viande, elle est en train de cracher toute son eau. Donc je vais pouvoir... Là, je rajoute un petit peu de basilic. Voilà, je coupe des petites feuilles, des morceaux de feuilles de basilic. Et je mets ça dans la sauce. Voilà. Vous pouvez les hacher menu, hein, ou couper ça au ciseau si vous voulez. Moi, je mets des gros bouts parce que... Parce que c'est l'Italie. Et voilà. Mmh. Hop, je vais pouvoir rajouter un petit peu de poivre encore, parce que j'aime bien le poivre. Une petite pincée de sel. Et je vais rajouter, après je vais rajouter mon concentré de tomate. Donc le concentré de tomate, je le rajoute moi pour que ça soit plus rouge en fait. C'est vraiment une histoire de visuel. C'est plus pour du visuel que pour le goût, parce que là on a déjà la tomate qui est dedans. Mais quand on fait cuire des tomates, la tomate elle est jamais vraiment rouge. Vous voyez, c'est un petit peu marron, couleur dégueulis quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du concentré de tomate, comme ça, ça va devenir un peu plus rouge. Et voilà, c'est juste pour l'aspect visuel. Hop, donc je rajoute du concentré de tomate dedans. Donc là, la viande, elle a bien craché son jus, donc ça devrait bien se mélanger. Après, on peut rajouter, voilà, je vais peut-être rajouter un petit verre d'eau, tiens. Voilà. Histoire que ça ne me fasse pas de la pâtée. Et je peux mélanger tout ça. Donc voilà, ça va redevenir un petit peu plus rouge. On mélange. Donc j'ai une autre variante. Alors là c'est vraiment ma recette à moi. La variante en fait, c'est que je rajoute des petits lardons au début avec les oignons, et je fais revenir des lardons dans les oignons, et ça nous fait une bolognaise avec des lardons en plus. C'est vraiment pas mal. Essayez, vous me direz ce que ça dit, mais franchement moi j'adore. Et je vais laisser mijoter. Hop, je recouvre. Donc là, j'ai laissé mijoter pendant 10 minutes. On va regarder. Ouh, loulou. Ça sent super bon. Voilà ce que ça nous donne. Vraie sauce tomate. Vraie bolognaise. Donc là, c'est prêt. Je vais pouvoir dresser et puis je vous montre ce que ça donne tout de suite. Bon ben je crois que je vais me régaler. Nickel. Donc si vous avez aimé, vous me mettez le gros pouce bleu. Vous vous abonnez si c'est pas fait. Vous activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!